Voici la trottinette, donc un petit tour à l'extérieur. On voit tout de suite que c'est vraiment une jolie trottinette. Et on a euh, le guidon avec l'affichage. Donc là, ça clignote, c'est à cause de ma caméra, mais en général, ça clignote pas. En fait, pour la vue, ça clignote pas. Et on va avoir le bouton pour allumer. À gauche, euh, ça c'est à droite. À droite, on a l'accélérateur. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, ça démarre pas tout de suite. À gauche, on a un frein électrique. Et on a bien sûr un frein classique qui utilise le disque et qui va aussi déclencher un petit peu le, la partie électrique. On a bien sûr une sonnette, voilà. Sinon quoi dire de plus Avant on avait l'éclairage en haut, mais maintenant il est en bas et je trouve que en termes d'éclairage de, de, pour la conduite de nuit c'est bien mieux. Ensuite plus bas là on a un amortisseur sur la roue avant. Hein, la roue avant qui bien sûr a le moteur et qui a un pneu plein. Hein, ce qui va vous éviter d'avoir euh, tous les risques de crevaison. Ensuite, à l'arrière, donc on a forcément le garde-boue avec la lumière arrière. Un pneu plein là aussi. Le garde-boue, il est bien costaud. J'aime bien ce genre de, de gros garde-boue. Ça, ça protège bien, surtout quand il pleut. Je ne sais pas si vous êtes adepte de rouler euh, sous la pluie, mais... Euh, avoir un garde-boue qui tient bien, qui en plus a les renforts qui permettent d'éviter qu'il casse, c'est très très important. J'en ai déjà cassé quelques uns sur d'autres trottinettes. Le nouveau système de pliage, lui, il est vraiment cool. Donc là, on va pouvoir euh, appuyer avec euh, euh, sur la partie rouge, ça va permettre de plier. Mais si c'est pas appuyé, on peut tirer comme un bœuf, ça va pas venir euh, se plier tout seul. Donc euh, cette sécurité là, elle n'existait pas avant. Euh, C'est vraiment un gros plus. Voilà. Donc là, je vais juste vite fait poser donc, euh, ma caméra pour vous montrer en roulage ce que ça donne. Donc je fais quand même mes 100 kilos. Hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, ouais, je suis sorti du champ. Hein, désolé. Euh, je ne suis pas non plus le roi du cadrage. Et là, sur le retour, je peux sauter dessus. Il n'y a vraiment aucun bruit. Euh, l'amortisseur il fait vraiment bien son taf hein, et bien sûr il y aura la petite béquille pour euh, stabiliser une fois qu'on a terminé son petit tour voilà je vous mets encore un petit tour de cette trottinette c'est vraiment très très beau quoi dire de plus ben j'atteins les euh, 20 km heure sans souci ma fille arrive à aller un peu plus vite que moi forcément hein, c'est un poids plume euh, les poignées, on les a bien en main, ça accroche fort. Et on peut passer un petit peu partout, même si le terrain n'est pas forcément super bien fait. Voilà, j'espère que ça vous, vous a aidé. Ah, on peut recharger à cet endroit-là. Voilà.